rapport entre économie et démocratie, et même plus précisément entre économie, écologie et démocratie. D'une certaine façon, le néolibéralisme, donc les politiques qui se sont développées depuis maintenant une trentaine d'années, leur grand objectif, c'était de dépolitiser l'économie, de faire en sorte que les marchés soient mis en pilotage automatique de l'économie, que l'État mette en les marchés, organise les marchés de façon à ce qu'ils soient en position dominante sur l'ensemble de la société et qu'ils orientent par leurs mécanismes propres le développement économique. Et donc l'idée, par exemple, de la Banque centrale indépendante, hein, c'est l'idée qu'il y a un organisme qui est responsable de la politique monétaire, mais qui réagit uniquement en fonction des signaux du marché et n'obéit pas du tout à des injonctions politiques. Et de même, toutes les décisions de privatisation, de dérégulation, le libre-échange, la libre circulation des capitaux, toutes ces politiques publiques extrêmement vigoureuses menées depuis une trentaine d'années, avaient cet objectif fondamental de dépolitiser, on peut dire de dé-démocratiser l'économie et de mettre le développement social sous le contrôle, sous le pilotage automatique des marchés. Avec cette idée que, au fond, c'est les marchés qui savent mieux que les hommes, qui savent mieux que les citoyens, que les électeurs, vers quoi l'économie doit se développer, quels sont les objectifs, quelles sont les finalités recherchées par les individus. C'est cette idée de la loi invisible, de la main invisible du marché qui détermine l'optimum social et économique, indépendamment des interférences du politique, qui ne peut qu'entraver la bonne marche du marché. Alors, cette croyance dans la nécessité de dépolitiser l'économie et de la mettre sous le pilotage automatique des marchés, elle s'effondre avec, enfin, elle devrait s'effondrer, et elle s'est largement effondrée avec l'effondrement financier de 2008, qui a vu les États appelés au secours par les marchés, hein, les États venir sauver les marchés de la faillite totale, de l'effondrement catastrophique. Et finalement, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre à la place des marchés pour piloter le développement économique? Dans l'entreprise, aujourd'hui, la loi, la règle dominante, c'est l'idée que ce sont les actionnaires, c'est ce qu'on appelle la valeur actionnariale, c'est l'intérêt des actionnaires qui est le seul déterminant, le seul critère qui doit être pris en compte par les dirigeants pour décider de la politique de l'entreprise en matière d'investissement, d'emploi. Et le modèle de la gouvernance actionnariale ou de la valeur actionnariale théorise, hein, l'idée que c'est uniquement l'actionnaire et que donc il ne doit pas avoir de consultation, de négociation. Le seul intérêt de l'actionnaire va déterminer l'optimum, non seulement pour l'entreprise, mais pour l'ensemble de la société, parce que grâce à l'efficacité du marché des capitaux, la concurrence sur le marché des capitaux va permettre une allocation optimale des ressources vers les entreprises qui sont les plus dynamiques, les plus productives, les plus intelligentes. Cette croyance, c'est pareil, c'est la croyance que le marché, les mécanismes du marché sont meilleurs, supérieurs, plus efficaces, plus rationnels que les décisions politiques ou volontaires ou concertées ou négociées des individus ou des groupes sociaux. Donc si cette croyance ne fonctionne plus, et on voit qu'elle ne fonctionne plus parce qu'on voit de plus en plus que les marchés livrés eux-mêmes amènent le chaos, amènent la concentration interminable, indéfinie des revenus, amènent une instabilité économique insoutenable, par quoi remplacer la loi des marchés, par quoi remplacer le critère du profit comme seul critère, le profit des actionnaires comme seul critère valide pour décider des investissements, par quoi remplacer le pilotage automatique des taux d'intérêt, de la politique monétaire par une banque centrale dépolitisée. La seule réponse aujourd'hui qui semble émerger et qui semble satisfaisante aussi bien sur un point de vue théorique que d'un point de vue éthique, politique, c'est l'idée que ça doit être la démocratie, le débat démocratique qui doit permettre à la fois de déterminer les objectifs recherchés par l'économie, que ce soit par les entreprises, hein, quels sont les objectifs que doit atteindre, que doit viser une entreprise. Est-ce que c'est nécessairement le profit? Est-ce que le profit n'est pas plutôt une contrainte
qui doit être satisfaite par une entreprise qui veut survivre, bien sûr. Une entreprise qui veut survivre doit, de préférence, dégager un excédent. Elle ne doit pas accumuler les pertes, sinon elle finira par faire faillite. Mais si on prend en compte la contrainte du profit, est-ce que pour autant le profit doit être un objectif pour l'entreprise? Est-ce que ça peut être le seul objectif? Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de travaux montrent que, au niveau de l'entreprise, il y a de plus en plus la nécessité de prendre en compte une pluralité d'objectifs, hein, qui serait alors, la contrainte du profit, ou en tout cas de la non-perte, comme une contrainte de survie pour l'entreprise, mais surtout l'objectif de l'entreprise doit être défini par les salariés, les parties prenantes, les usagers, les consommateurs, les pouvoirs publics locaux, les pouvoirs publics nationaux qui sont intéressés ou pas au développement de tel ou tel type d'activité. Par exemple, quelles peuvent être aujourd'hui les finalités d'une entreprise automobile? Est-ce que ça doit être, comme c'est le cas aujourd'hui, seulement le profit des actionnaires de cette entreprise? Ou bien est-ce qu'on peut imaginer un développement du secteur automobile qui serait dicté par des impératifs de sobriété énergétique, de souplesse des capacités de production, d'économie, aussi d'accessibilité des véhicules, de nouveaux modes d'usage des véhicules, avec en particulier des usages partagés, l'organisation d'usages partagés des véhicules. Bon, est-ce que les critères écologiques, les critères de justice sociale, les critères de durabilité des usages ne pourraient pas être intégrés dans les objectifs de développement de ces entreprises? Et manifestement, c'est dans cette direction qu'il va falloir travailler pour reformuler à la fois les objectifs et les modes de gouvernance de ces entreprises, c'est-à-dire la façon dont elles sont dirigées, dont les décisions sont prises. Ça appelle donc des politiques de démocratisation radicale des décisions dans les entreprises, par l'introduction dans les conseils d'administration, avec voix majoritaire, des principaux acteurs intéressés par la politique de l'entreprise, que ce soit les salariés, les associations environnementales, dans le cas des transports automobiles, et dans beaucoup d'autres cas, bien sûr. Je ne parle même pas du cas des banques, où c'est encore plus évident que le développement des politiques de crédit des banques est un des enjeux majeurs. La qualité, les critères utilisés par les banques pour attribuer leur crédit sont un des enjeux majeurs de l'orientation du développement économique et social. Donc voilà, la question qui est de plus en plus posée, c'est comment mettre le développement économique sous un contrôle, non pas sous le pilotage automatique des actionnaires et des marchés, mais sous un contrôle social organisé par la confrontation des intérêts parfois divergents entre salariés, consommateurs, usagers, associations extérieures, etc. Donc c'est cette question d'un nouveau mode de gouvernance, d'une nouvelle démocratie sociale dans l'entreprise qui est aujourd'hui véritablement centrale si on veut redéfinir les objectifs du développement économique, si on veut mettre l'économie au service de la société et non plus la société au service de l'économie et de la finance. Et plus généralement, cette idée qu'il faut remplacer le pilotage automatique par les marchés, par un pilotage politique, un pilotage démocratique, amène à repenser complètement, devrait amener à repenser complètement les objectifs macroéconomiques, les objectifs de la politique économique générale, de l'État, des pouvoirs publics, avec l'idée que ce n'est pas la croissance économique, la croissance du PIB, qui doit déterminer les politiques, mais bien plus des objectifs qualitatifs de développement de certaines productions, de réduction d'autres productions et d'autres consommations, en particulier de réduction de la consommation d'énergie. Nous avons un besoin extrêmement urgent de réduire drastiquement la consommation d'énergie dans nos pays, dans les pays du Nord, mais aussi dans les pays du Sud. Et donc là, ça nécessite de travailler à des modèles de décision et de politique économique multicritères, donc avec des objectifs multiples entre lesquels il faut trouver des arbitrages, entre lesquels il faut construire des compromis, hein, qui sont
qui peuvent être l'augmentation de la consommation sur certains produits, la diminution de la consommation d'autres produits, le développement de certains services marchands ou non marchands, la réduction d'autres services, par exemple les services financiers, qui sont manifestement hypertrophiés et parasitaires aujourd'hui. Voilà. Et puis la question de la durabilité de l'économie, la question de la contrainte écologique, et aussi la question des inégalités, la question de la cohésion sociale, la question de la capacité des citoyens, des travailleurs, des consommateurs à maîtriser collectivement leur devenir. Toutes ces questions, tous ces critères doivent être des critères pris en compte dans les décisions économiques. Donc on doit passer d'une économie monocritère, monolithique, entièrement orientée vers le profit, la croissance, à une économie pluraliste, démocratique, où les objectifs sont déterminés par compromis, par négociation entre une pluralité d'objectifs qualitatifs, parfois contradictoires, parfois antagoniques, mais sur lesquels il faut construire, autour desquels il faut construire des compromis par la délibération démocratique. Et à partir du moment où on fera ce renversement conceptuel, ce renversement de paradigme, hein, qu'on concevra l'économie non plus comme une science au service d'objectifs quantitatifs monolithiques, mais au service d'une multiplicité de critères de développement qualitatif, on aura fait un pas considérable dans la rénovation même de la pensée économique.